Et bonjour tout le monde. Alors, bon, je viens juste de reprendre, là je viens juste de partir, j'ai oublié de lancer l'enregistrement. J'ai juste écouté l'émission de 18h. Par contre, là j'ai une petite soif, mais c'est pas grave, on va pouvoir trouver quelque chose à boire à un endroit. Là, il faut absolument que je retourne à la station service pour que je puisse remettre de l'essence dans ce véhicule, qui a d'ailleurs une capacité de coffre de 46, donc c'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça. Mieux que le véhicule que j'avais tout à l'heure, il va falloir que je change que je change après de véhicule, on verra quoi. Mais là, comme vous pouvez le constater, là l'essence, je suis quand même du tout. Je suis quasiment sur la réserve là d'ailleurs. On va vite retourner tout en haut à la station essence et je suis juste armé d'un tournevis. Il va falloir aussi que je retrouve une arme. Je vais vite aller faire un saut également où j'étais la dernière fois. Pour retrouver, je sais pas, une pelle ou quelque chose dans le genre. Bon, l'idéal serait tout de même de trouver une batte de baseball, quoi. Mais... Là, il faudrait peut-être voir aussi le véhicule en dessus. Il y a des moissemondes. Comment ça se fait? Pourquoi ils viennent tous vers moi? Ils ont entendu le véhicule ou quoi? Ah, bon, les morts sont toujours là. Mon véhicule est toujours là. Ouais, d'accord. Tiens. Je sais pas si je devrais me... Je devrais me mettre quelque part. Là, la porte est défoncée. Là, je pense qu'ils ont défoncé la porte aussi. Ok, donc là, c'est plus du tout sécurisé. Je suis sur la réserve. Il va falloir que je me barre de là. Je vais plutôt aller faire un saut à la station service directement en haut, j'espère que ça va tenir. Et puis on va pouvoir éliminer le monde là-haut. J'espère que les aides ne vont pas me suivre jusqu'à la station quand même. Ils vont me suivre parce que là je crois qu'on est plus très loin. C'était ici à gauche je crois. Ouais, il y a quand même du monde. Hein. Et bon, j'ai pas le choix. Les attirer. Comme ça au moins on est tranquille. Enfin on est tranquille là. En espérant quand même. Allez, ça va tenir, ça va tenir. Ah ouais, mais c'est qu'il y a encore du monde qui vient là. Et je crois que je me suis complètement loupé. C'est pas grave, au pire je vais essayer de les semer, mais là j'ai pas assez d'essence. Là, combien ça va? Il me reste encore un petit peu. Je sais pas si la station elle peut exploser si on touche le truc pour servir l'essence. Là c'est beau. Bon, comme ça, continue comme ça. Par contre, faut pas que je reste coincé. C'est par là. Fou, allez, 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 on y va, on les shoot, on les shoot, on les shoot. Alors vous allez dire que c'est pas très guerrier, hein, je veux dire c'est pas très chevaleresque, c'est pas très. Hein. Je suis pas un mousquetaire, hein, ça c'est certain, mais. Mais on y arrive. On y arrive comme ça. Regardez-moi ça. J'ai l'impression que là j'ai un peu plus d'essence qu'avant. C'est plus rouge, c'est orange. Allez, le dernier là. Voilà.
sais pas dans quel état il est. Est-ce qu'on peut regarder juste l'état du véhicule? Ah, il y en a encore qui arrive. Hein. On va devoir reprendre le véhicule. Encore. Capot foutu, réservoir foutu. On va devoir changer de camion. Bon, après, il va falloir que je répare, mais bon, là, j'ai pas du tout les capacités. Il y a encore un là-bas. Les deux là-bas, je sais pas si je vais les... Ouais, je crois qu'ils sont en train de venir d'ailleurs. Je pourrais peut-être pas faire ça. Mais... Ah, j'ai perdu une roue. J'ai perdu une roue. Alors comment ça se passe? Pour le moment ça va avec trois roues, ça passe. Et là encore qui débarque. Et ça débarque encore. Je suis de nouveau sur la réserve. Il me faut absolument des bidons. Hein. Et puis ça débarque encore là. Hein. Comment faire? On va les éliminer. Parce qu'à ramener la tournevis, ça risque d'être compliqué. Hein. Pas regarder si on avait un d'entre eux qui avait un sac. Lui il va venir sûrement. Ouais, la camionnette elle est foutue. Oh non, il y en a encore trois là-bas. Parce que vraiment... Bon, je peux essayer de me les faire au tournevis, mais... Allez. Je sais pas, bon, c'est pas grave. J'ai remis de mon tournevis, hein. Ah ouais, je suis armé de mon tournevis. Ok. Je crois que c'est bon. Bien. Maintenant. On va prendre ça. Remplir bidon avec bidon d'essence. Fouh, j'ai réussi. Tout ça pour ça. Alors après, je sais pas exactement comment est-ce que ça va se passer une fois qu'il n'y aura plus d'électricité, parce que ça va être plus possible, évidemment. Il va falloir que je boive. On va vite remplir déjà ça. Comment est-ce que ça fonctionne? C'est par devant ça. Mécanique, siphonner carburant. Non, c'est pas siphonner, c'est le reste. Ajouter du carburant, merci. Ajouter tout. Tu vas de quel côté? Par là, ok. Après, je reprends
Je vais tout simplement en remettre deux. Là, par contre, ah, c'est déjà 23 h. Ah, s'il y a une télé dedans, ça serait pas mal. En tout cas, pour le prochain, je serai un petit peu plus malin. Ce que je vais faire là, par contre, c'est avant toute chose. Non, c'est pas ce que je voulais faire, c'était ça. Ah, il y a quand même un bidon d'essence qui est plein. Tiens, c'est conseillé à tout le monde de faire ça. C'est de fumer une clope ici. Là, juste là, comme ça. C'est très bien. Comme ça, tu seras plus sur les nerfs. Et tu me taperas pas sur les nerfs. Pièce électronique, bouteille de soda vide. Les verres brisés, ok. Bon, je crois que... non, ça c'est quoi? C'est des trucs à laver. Donc là, il n'y a rien à boire. Y a... Ah, peut-être là-bas. Où est la lumière là? Alors, c'est pas du tout ça que je cherche. Bon, c'est pas grave, on va aller boire quelque chose là-bas. De soda, boire tout. Il va falloir que je mange également. Comme ça, t'es tranquille. On va prendre ça aussi. Et puis, on va vite s'occuper de celui-là parce que je sens qu'il va me tomber dessus quand je vais me réveiller. Quand j'aimerais être tranquille. Alors, en fait, c'est là que j'aurais dû boire. Mais c'est pas grave. Ok. Ça, c'est bon. Il est agité. Non, c'est bon. Parfait. J'avais toujours mon bidon d'essence ici. On va vite le remplir. Au pire, je crois qu'il y avait un véhicule ici, mais bon. Je crois, hein. Non, il y avait un là, un taxi ici. Et là également, on va voir si on peut le récupérer. À tout hasard, est-ce que tu as les clés? Ben voilà. T'as les clés ici. T'as les cigarettes, on va prendre également. Est-ce que ça démarre? Ça a pas l'air. On va regarder une chose déjà. Avant d'essayer pour rien. Ça a l'air d'être correct. Donc je pense qu'il n'y a juste pas d'essence. Comment est-ce qu'on fait? Non mais j'aimerais... Oui, j'ai de l'essence. Comment est-ce qu'on fait pour mettre de l'essence? Ah là, c'est long. Ah bah oui, à l'avant. Bah j'ajoute tout, je sais pas. Je pense que c'est ça le problème, hein. On va tout de suite le savoir. Et là, c'est un véhicule en bon état. Donc déjà, c'est bon, il n'y a personne. On va en profiter. De remplir encore et on va mettre dans le petit véhicule noir. Ensuite, je vais retourner encore en bas et puis je vais voir si j'arrive quand même à prendre la fourgonnette ou alors peut-être d'aller voir ailleurs parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de monde dans ce parking. Mais il y a tout de même un large choix de véhicules. Mouchoir, sac en plastique, bon, on a 0,336, ça ira.
Ça ira pour le moment. Tu mets ça là. J'ai toujours mon poulet en fait. Faudrait peut-être que je pense à prendre tout ça. Par contre, le bidon d'essence. Attends, je vais juste voir un truc. Parce que j'ai sûrement déjà utilisé. Du coup, j'avais quoi? On va prendre canette vide. Clé à molette, on va garder, on sait jamais. Pansement, poulet. Ok, on a déjà posé ça. On va reprendre ça et j'ai juste envie d'être sûr qu'il soit plein. Non, il est pas plein, il est à moins de la moitié. Donc on va vite remplir. Ici, comme ça on est tranquille avec deux bidons en tout cas. Je devrais même revenir avec plus de bidons et tous les remplir. Parfait. Ou alors je sais pas, est-ce que je retourne vraiment ou je fais quoi? Je crois que les phares, ça les attire aussi ou pas? Mais arrête, y a personne là. Ah mais ils sont tous venus peut-être. Ça m'a l'air d'être safe hein, pour le moment. Ils m'ont pas capté. Et il n'y a pas les clés, c'est pas grave. On va déjà voir ce qu'il y a derrière. Bidon d'essence vide, il y en a un. Baguette de soudage. On a quoi? Ah, en plus, il y a 100 de place. Masque de soudure, caisse de chantier. Plaque en métal, tout ça, ça peut être toujours utile aussi à un moment donné. Je pense que je vais prendre ça. On va juste voir l'état du véhicule. Même si j'ai pas vraiment les connaissances pour ça, mais. Et franchement, non, non. Hop, on prend ce véhicule et puis là on va faire attention. La personne, c'est bon? Ok. On déménage tout. Oh non, c'est pas ce que je voulais faire. On prend les deux. Par contre, là, je vais être très lourd, trop lourd peut-être pour me déplacer. Non, ça va. Là-bas, c'est bon, vous restez là-bas, nickel. Je vais déjà en poser un. Ah non. Ouais, bon, c'est pas grave, on va faire comme ça. Ajouter tout. On ne sait pas trop combien ce qu'il en faut de l'essence là-dedans. Et ça, c'est très bien pour commencer. Parfait, même. Ok. Ce que je vais faire. Ce que je vais faire. Si on a combien? 10 et quelques. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout ça. Je vais mettre là-dedans, je vais reprendre ce véhicule noir. Et je vais à la station à essence avec. Bouteille vide. On va mettre le café, les canettes vides. Ça. Est-ce qu'on peut? Non, pas. Donc ça, et puis, vite, 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 le savon, je vais le garder. Tout ça en pause. Mais là, je sens que dans ce jeu, je vais pouvoir me faire une sacrée collection de véhicules. Moi, je vous le dis, je suis un gros looter à ce niveau-là. Dès que ça me plaît, je prends. Juste prendre encore l'autre.
Ça m'en fera 3. Voilà, suivez-moi, venez par là. Par contre, il risque de me faire chier quand même la station essence, c'est pas grave. On y va quand même comme ça. J'ai peur de les avoir attirés les autres. Ça va. Remplir les 3. Tout remplir. Allez, on teste. En tout cas, pour le moment, je tiens. Je suis toujours en vie. Il ne faut jamais parler trop vite, mais pour le moment, ça va. Bon, j'ai fait qu'une journée en même temps, hein, vous allez me dire. Ah, 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 ah. Ok. Je suis trop lourd en plus. On va poser ça. On a 16 et quelques encore. On est trop lourd. Par contre, il y a du monde là. Je suis armé de quoi? De rien du tout. Ok. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. T'étais tout seul? Ensuite, à capuche. Non, on va pas prendre ça pour le moment. Ok. Tout va bien. Une légère soif, ça va. On va poser ça par contre. J'espère que c'est tout bon. 8, pose-moi ça, j'en ai. Oh putain! Et mais. Ça m'a fait flipper, hein. Tombe. Je préfère préserver quand même mon tournevis parce qu'il va pas faire long. Hein. Et celui-là, il plaît à combien? Ouais, celui-là, justement, il va falloir que je remplisse. Ok, ça va, ça va, ça va. Voilà, comme ça me fait 3 bidons d'essence pleins. On va juste retourner là-haut. Je commence à être fatigué, donc il va vraiment falloir que je me trouve un véhicule. Il va surtout falloir que je me trouve une arme. Et en fait, là-bas, je vais sûrement pouvoir trouver quelque chose également. On va vite en profiter pendant qu'on est là. Vas-y, on va boire le lait. Pendant qu'on le peut. Ah non, mais il n'y a pas d'armes, malheureusement. On va prendre encore ça, chewing-gum, chips, cigarettes, 60. Vas-y, comme ça on est tranquille. Gâteau zébré, blablabla. Tiens, ça... Oh, ta dépression. Un paquet de sucettes. On va prendre aussi un petit peu les conneries.
chose que je n'arrêtais pas de bouffer. Est-ce qu'on a quelque chose d'utile là, une arme? Un roulé suisse. Morceau de viande séchée. Ça aussi. Et puis encore deux bidons d'essence. Ça, c'est la sortie. Exact. Malheureusement, il n'y a rien. Débardeur, même un t-shirt. On va regarder quand même s'il n'y a pas des habits qui pourraient m'intéresser. Ok, c'est pas grave. Peut-être qu'à là-dedans, en fait, j'ai pas vraiment fouillé. Non, mais je pense pas non plus. Une cigarette, c'est bon, là, c'est parfait. Légèrement fatigué, toujours, ça va. Je vais juste poser. On va poser tout ça, puis on va encore remplir les bidons d'essence, et comme ça, je serai tranquille. Gélatine. Ok. Comment ça se fait que je sois si lourd? C'est 5h40. En fait, mon personnage, j'ai l'impression qu'il dort la journée. Et qu'il sort la nuit. On verra si on peut changer ça. Avec un somnifère, sûrement. Car je préférais sortir la journée quand même. On est bon. Vite, vite, vite. Parce qu'après, faut quand même que. Ah! Ah ouais, ça c'est con. C'est pas grave. On va ça faire comme ça. Si jamais je saurais que j'ai encore un bidon ici, mais je vais peut-être pas chercher tout de suite. Allez, on y va, on retourne, il y a du brouillard. Pas beaucoup, mais il y en a quand même. Encore un là. Ça, c'est sûr qu'il m'a entendu arriver. S'en débarrasser, mais j'ai toujours pas d'armes. Ah bah non. Ok. Bah reste là où t'es, c'est très bien. Ne viens pas m'emmerder. C'est pas moi qui vais. Une bouteille remplie d'essence. Ok, il va falloir faire attention. Hein. C'est pas une bouteille d'eau. Ah oui, mais c'est vrai que j'avais tout mis, justement, tout remplir. Bon, c'est pas grave. Par contre, 3, je sais pas si ça va tenir. Je sais pas si je vais pouvoir me déplacer avec. Oui, j'arrive. Ok. Ah, il y en a un qui arrive. Ouh là là, il y a du monde là-haut. Meurs! Cigarette 20. Vas-y, on est fou. Par contre, on a 17. Ah, non, s'il a pas tout mis. Bon, ça devrait le faire. Ok. Bon, je voulais voir aussi dans les coffres là-bas, mais bon, c'est pas grave. Comment ça, j'ai pas de. Ah, mais oui! Il va falloir faire les fils, hein. On va essayer encore une fois. On va y arriver. Ouais, s'il te plaît, hein. Merci. Allez, cette fois-ci, on descend, on va en ville. On est comment? Légèrement fatigué, toujours, ça va. Par contre, j'ai besoin. Tiens, vas-y, fume au volant.
faire attention quand même, on voit pas grand chose. Et je vais essayer de pas bousiller parce que là la camionnette est en bon état. J'ai peur quand même. Mais apparemment il y a des animaux, enfin en tout cas j'ai entendu des loups, donc je me demande si on risque d'en croiser, donc on va rester en ville hein, de toute façon pour le moment. On va passer par là, comme tout à l'heure. Je sais pas s'il y avait une maison intéressante où j'aurais pu m'installer là-haut pour le moment, mais moyen. Hein. Il faudrait une maison sécurisée. Ils sont attirés par quelque chose, j'ai l'impression. Là aussi, il y a pas mal de véhicules. Je sais pas si les remorques étaient de base dans le jeu, je crois pas, il faut que je mette des mods. Au début, je me suis dit, j'ai hésité justement à mettre des mods, mais je me suis dit au tout début, je vais pas le faire. Je vais déjà me remettre dans le main, et une fois que je vais mourir, je pense que la partie suivante... Ah bah si, il y a des remorques là. Tiens, là, ça pourrait être intéressant aussi à voir. Ah, puis là, il y a l'autre station essence, ok. Station service ici. Je sache c'est où est-ce que je vais m'installer. Il me faut absolument une maison. C'est 7h50. J'ai encore oublié. Enfin, j'ai encore loupé mon émission. Faut vraiment pas que je loupe le reste. Donc il me faut une maison avec des barrières hautes. Absolument. Donc là on est déjà dans une zone résidentielle, mais là c'est une zone résidentielle brûlée. C'est pas du tout ce que je recherche. Là c'est déjà mieux, mais c'est pas vraiment ce que je souhaite non plus. Il n'y a pas des hautes barrières, peut-être chez les plus riches, c'est où? À trouver quelque chose. Je crois que je m'éloigne. Allez, on part à la recherche vraiment de la baraque qu'il nous faut. Où je vais pouvoir rester quand même là, quelques jours. Là, je crois que je me barre de la ville. Non. On va faire demi-tour. Est-ce qu'on peut faire un frein à main? On remonte si on va retourner un peu plus à l'intérieur. Là, je suis fatigué, pas exténué encore. Ah, lui, il a un sac à dos. Mais je suis pas armé comme il le faut. Merde. Ah, dommage. Ou sinon, je pourrais peut-être m'installer là pour le moment. Dormir, en tout cas. Mais là, il y a du Z. Hein. Ah, là, 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 là. Là, 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 là. Même encore plus bas. Non mais là il y a les haies, je crois qu'ils peuvent passer les haies. Je suis pas sûr. Là c'est quoi faire. Et attends, mais là il y a personne là. Mais là, ça m'a l'air pas mal. En plus, c'est ouvert. Torche, tournevis. Il me faut une arme et un sac. Est-ce que vous avez ça? Attends, je vais regarder ça après. Déjà, on va mettre... Et je vais dormir ici, je pense, et on va déjà fermer les rideaux.
J'aimerais bien avoir une arme. Il y a du bruit quelque part là. C'est la porte d'entrée. Non, ça doit être à l'étage. Ah oui, c'est vrai qu'en plus il y a un étage, c'est parfait. On va quand même vite fouiller puis on va monter après. En plus j'ai faim. Un pamplemousse, une banane, on va manger la banane. Ça m'a l'air pas mal du tout ici. Ok, c'est en haut. Ok, 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 ok. C'est 9h40. Bon, par contre, tu vas mourir, oui? Merci. Batte de baseball, mais voilà! Voilà, 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 qui est bien! Il y a même une guitare électrique. Mais elle est en mauvais état. Grand box. Bon, je vais pas boxer. Oh. Space crew, machin. Ok. Oui, tu vas dormir, t'inquiète. Je contrôle juste que tout va bien. Voilà, bah là, ce sera ma chambre. Par contre, il n'y a pas de rideau. La chambre de papa et maman. Va falloir par contre vider tout ça après. Ouais, ça me paraît pas mal du tout ici. Ça me paraît pas mal du tout. Là on est bon aussi. Bah tiens, je vais dormir ici pour maman. C'est 10h10. Est-ce que je peux régler l'alarme? Régler l'alarme pour 11h50. Comme ça. Et puis, on va juste faire une chose aussi avec le baseball en 1. Comme ça, on est bon. Dormir. Allez, ça va, tout va bien. Merci. On court en bas. Ah, on a quand même dormi, je pense. Ah, je pensais qu'il y a... Silence. Notre émission préférée devrait commencer. Ah, c'est bon, ça c'est quoi Woodcraft? Ça c'est pour... Ça c'est pour... la menuiserie. Par contre, je devrais commencer à lire. J'ai soif. Ça monte, mais là il me faut absolument aussi lire. Alors maintenant, ça va être le but. Là, il faut que je m'installe ici maintenant. Il va falloir que j'améliore certaines petites choses. La cuisine est ici. On va boire. Là. Je vais voir également comment ça se passe dans les alentours. Ça m'a l'air d'être safe, hein. Il y en a un qui dort là-bas, on va pas faire de bruit. D'ailleurs, là-dedans, il pourrait y avoir des choses très intéressantes à voir. Il faudra que je fouille aussi les baraques à côté. Et là, c'est plutôt idéal. On va vite voir aussi là-dedans, là-devant, je veux dire. Ok, encore une Z. Il faudra que je dorme un petit peu plus, je pense. Je sais pas si c'est indiqué quelque part. C'est bon, plus besoin du bandage. État général, on est bon.
Donc là, c'est les zones protégées. Pour le moment, zéro. Juste à la tête, pied gauche et pied droit. Il va falloir aussi que j'améliore ça sur les cuisses, d'accord. Parce que là, j'ai juste un simple t-shirt. Donc tout ça, va falloir que j'aille chercher des vêtements qui soient quand même plus efficaces. On va vite fouiller aussi un peu tout ça. Canne à pêche, parfait. Si jamais j'aimerais commencer à pêcher. Je n'ai jamais fait, je sais pas du tout comment ça fonctionne. Les sacs de plâtre, d'accord. Et ici, il y avait quoi déjà? On avait une scie, duct tape. Duct tape, ça c'est bien pour réparer. D'ailleurs, je me demande si je prends des. Ah non, c'est des boîtes de vis. Il me faudrait peut-être des clous. Par contre, ça, je sais pas si c'était une bonne idée. Ah non. Ah ouais, puis moi il est beaucoup plus rapide déjà. Ça va, ça a l'air de tenir. Par contre, j'ai peut-être viré l'autre aussi. Il me semble qu'on peut les virer, non? On peut les transporter, les ZAD. Histoire qu'ils restent pas à l'intérieur. Je sais plus si ça joue justement sur le moral. Ah, d'ailleurs, il va falloir que je dorme encore un petit coup là. Ah, on peut passer dans la cuisine à partir de là, oui. Ok. Donc il faut que je me réveille à 18h. Ramasser le cadavre. Voilà, tu me vires ça. Je sais pas si on peut nettoyer le sol également. J'ai envie que ce soit propre chez moi. On est lourd comment là? Lourd de charge, simple, ça va. On va mettre ça là. Et puis elle, on peut la laisser là pour le moment. Oui, j'avais fouillé. Ok, je vais dormir jusqu'à 17h30 à peu près. Qu'est-ce que c'était que cet ex... Qu'est-ce que c'était que cet ex-bruit? Allez, on va dormir et puis... Je vais juste remettre le réveil à 17h50. Ok, et on dort. Je prends l'habitude après arrêter l'alarme. Parce que là, c'est vraiment dégueulasse, hein. Avec tout ce sang, on a faim. On a faim comment? Ah bah c'est bon. J'ai toujours mon poulet, qui est bon, je crois, hein. Il est plus frais, mais il est bon. On accélère et qu'est-ce qu'on a le droit cette fois-ci? On a amélioré quelque chose. L'agriculture, d'accord, très bien. J'avais dit également qu'il fallait que je lise. Mais pour ça, il va falloir que je fasse un tour à l'école pour que je lise justement ce qu'il me faut. Particulièrement la menuiserie, il va falloir que j'augmente ça. La cuisine, pourquoi pas. La mécanique également, je crois qu'ils ont des émissions sur la mécanique. Je crois. Après, je crois que je vais tout faire ici. J'ai juste pas fait ça, mais ben rien. Dommage. Ok, très bien. Après, il va falloir justement que la menuiserie, que je puisse. Ah oui, une clope. T'as besoin d'une clope. Fume. Mais là, c'est safe hein, quand même. Par contre, on voit quand même à travers, donc voilà. Attends, ça, on va fermer. 19h10, donc à minuit, je pense qu'il y a une autre émission. En plus, toutes les portes sont ouvertes ici. Je vais même pouvoir enlever les rideaux là pour les ajouter là-bas. Travail de métaux, on prend volume 1, les premiers secours, volume 2, Doc Gobelin, survie à tout prix. Ça, je pense que c'est pour augmenter un petit peu le moral, je suppose. Électricité, volume 2, bon, ça, je vais en avoir besoin de toute façon à un moment donné. Mais il me faut un sac.
Il faut absolument que... Ah oui, peut-être que je vais retourner en bas là où j'ai vu le Z qui possédait un sac. Il y avait quoi là? Un balade à javel. Des chaussures, sac de béton. Boîte de clous, hachette. Par contre là je vais être lourd. Des plans, enfin une planche, une scie de jardin. La scie de jardin, très bien. On peut passer à travers. Ah oui, d'accord. En plus, je me suis coupé. Eh ben, bravo. Donc, je saurais. Je saurais ne pas passer ne pas passer comme ça. Bon, en même temps, ça, on sait que c'est quand même plutôt très dense. Mais enfin. Boîte de clous, clé à molette, hachette. Pour le moment, on va tout mettre et puis je vais trier après. Et puis on a combien? 46 minutes, je pense que je vais pouvoir m'arrêter là. De toute façon, là, ça va être que du loot. Je vais voir un peu les maisons à côté, justement, voir un peu tout ce qu'il y a. S'il y a des choses intéressantes à voir ou non. Par contre, je ne pense pas que je vais m'installer définitivement ici parce que si j'aimerais me protéger, il va falloir que j'ajoute un tas de murs tout là le long. Jusque là pour que je puisse fermer à peu près et d'être un petit peu plus en sûreté. Donc il va falloir que je trouve un autre endroit, je sais pas où encore exactement. Mais je trouverai bien quelque chose à un moment donné. La cuisine elle est là-bas. Ah, vite boire. C'est 20h10, ça va, je ne suis pas fatigué encore pour le moment. On va pouvoir dé... Mais je pense que je vais quand même rester dans cette maison en attendant. La maison donc, juste en dessous. Et puis je vais tout déplacer là-bas, la nourriture, tout ça. Tout ce qui est courge, bière, vin, machin. Enfin bon, bref, on va pouvoir se bourrer un peu la gueule. Ah oui, puis c'est la petite maisonnette là-bas à côté qu'il fallait absolument que j'aille voir. Également. Tout ça, j'irai voir après. Il me faudrait également un bol. J'irai monter à l'étage juste après. Ah bah tiens, là il y a un Z. Peut-être qu'il est en train de dormir. Parce que là-dedans, généralement. Ah, il y en a peut-être un qui dort. Enfin, qui est à l'étage. Sûrement même. C'était fermé ici. Ok. Bon bah j'ai pas vraiment le choix. Hein. Il y en avait un là-haut, non? En plus il y a un générateur ici. Clic. Duct tape. Pour réparer. La batte de baseball principalement, clé anglaise. Scie de jardin encore, tournevis. Clé en croix, bon. Bidon d'essence, on en a quand même assez pour le moment. Ça, on verra une autre fois. On va vite monter à l'étage, voir ce qu'il y a. Il est quoi? 20h50. Allez, je finis cette maison, puis j'arrêterai là pour aujourd'hui. Après, j'irai fouiller un peu en off, évidemment. Quelqu'un quelque part. Pull. Un pantalon. Il me faudra trouver aussi des nouveaux habits. Qu'est-ce que c'était que ça? Gel coiffant. Je pense pas que ce soit très utile, quoique. Je crois que tout est utile de toute façon. Pour du craft à l'avenir, etc. Enfin bon, bref. Travail des métaux. Recherche. Ce livre vous donne un multiplicateur d'XP pour le talent de niveau 1 et 2. D'accord. Agrafe, stylo, morceau. Là, il n'y a rien. Il y en a des chambres. Enfin, des pièces là-dedans. Duct tape, deux fois. Une corde, je sais plus pourquoi, ce qu'on peut faire avec. Oh.
C'est le papa ou c'est le fiston ici? On sait pas trop. Hein. Pantalon, écouteur. Bande dessinée. Premier secours. Mouchoir, pantalon. Encore un petit truc par là-bas. Magazine, Mobélie. Ok. La chambre à papa, maman. Calepin, l'agriculture, combien? L'agriculture? Volume 1. On prend. Pour le moment, j'en ai pas vraiment besoin, mais à un moment donné, ça va être le cas, de toute façon. Eh ben, ils ont une grande salle de bain, ceux-là. Des draps. Ok. On est tout bon. Encore un. Là, il n'y a rien. Ok. Ok, allez, je vais m'arrêter ici. Là, j'ai quand même. Je vais pas dire que j'ai survécu, mais j'ai juste réussi à gérer comme il le fallait, en tout cas, pour. Elle était où l'entrée? Enfin, j'ai tenu justement ce qu'il fallait pour. Parce que c'était un petit peu chaud quand même au début, hein. C'était vraiment chaud. Mais j'ai réussi, donc j'espère que ça va continuer. Là maintenant, vraiment, là je suis tranquille. Il n'y a pas beaucoup de Z ici. Donc ça me va. Je vais rester ici un petit moment en tout cas. Je sais pas combien de temps est-ce que je vais jouer parce qu'aujourd'hui j'ai encore 2-3 trucs à faire. Il va vraiment falloir que je les fasse assez rapidement. Et puis je vous reprendrai un petit peu plus tard. Je sais pas exactement comment est-ce que j'aurai avancé d'ici là. Mais on verra bien. En tout cas, comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!